Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dressage. Ce que je vais faire, je vais vous montrer tout de suite la démo. Et après, si ça vous plaît pas, quittez. Et si vous voulez continuer, je vous laisse à regarder la vidéo. A toutes. Fripouille. Oui, c'est bien ma coquette. Voilà, donc j'appelle ça le tour check. Pourquoi check? Parce que je mets ma main comme ça et elle me tape en fait avec sa papatte. Donc voilà, j'appelle ça check parce que voilà, main dans la main, un check quoi. Donc j'appelle ça comme ça, sauf que là, vous l'avez vu, je ne parle pas, je dis pas le mot, je dis pas check à Fripo, vous avez bien vu. Je ne dis pas pourquoi. Parce que en fait encore le chien ou enfin même le chien les animaux en général, on va dire, tiens, pourquoi se compliquer, les animaux en général se concentrent plus sur le geste en fait et non sur la parole. Voilà, un chien, vous allez lui dire coucher, peut-être qu'il va le faire, mais si vous lui dites ça, il va aller plus si vous baissez la main ou si vous faites le geste quoi, tout simplement, il va en fait le faire plus vite que si vous dites le nom du tour. Enfin, je pense. Après, ça dépend des chiens, ça dépend de toutes les races de n'importe quel chien. Mais voilà, c'est valable aussi sur le cauchemar. La parole, il s'en fiche, le cauchemar. C'est juste le geste. Il va savoir. Donc là, j'ai mis ma main et il va savoir que il faut qu'il mette ses papattes ou sa papatte. Et voilà, un ou deux, c'est pareil pour moi. Du moment que je sens sa patte, une des deux pattes qui va sur ma main, voilà, du moment que je ressens ça, le tour est réussi. Voilà, donc j'appelle ça comme ça parce que voilà, je trouve que c'est comme ça, un check, voilà. Voilà, mais donc voilà, il se concentre pas sur la parole parce que le geste, ça, pour lui, ça signifie tout en fait, c'est ce qui signifie le tour, carrément. Donc ça sert à rien un peu de parler, de faire des paroles, à part pour le prénom, donc la vidéo dressage numéro 1 que j'ai fait juste avant dans le... juste voilà, la première vidéo dressage quoi. Voilà, à part pour le prénom, les oiseaux, je sais pas ce qu'ils ont. Je suis dehors, mais... Bon, bref, voilà. Donc, tout ça pour dire que la parole, ça ne sert à rien. Ensuite, ne laissez pas tomber le tour. C'est-à-dire que si le cauchemar ne vient pas, c'est sûr qu'il ne faut pas le forcer. Mais d'un côté, si vous ne le forcez pas, il ne va pas mémoriser. Donc, ne forcez pas, genre, criez-lui pas dessus. Voilà, ne forcez pas. Voilà, en parlant ça, ne criez pas sur un cauchemar, ça ne sert à rien. Ça va servir juste à ce qu'il arrête totalement le tour et qu'il ne veut plus rien entendre de votre part, il ne veut plus vous faire plaisir parce que vous l'avez grondé pour rien. Donc voilà, mais ne laissez pas tomber dans le sens où, où il ne va pas retenir tout simplement. Il va se dire, oh bah tiens... Même si je ne fais pas le tour, elle me donne à manger quand même. Donc voilà, ça ne sert à rien que je fasse le tour. Donc il va, voilà, après il ne va pas faire le tour vraiment. Il va juste attendre que vous en aviez marre et que vous lui donnez à manger, tout simplement, sans qu'il fasse le tour. Et donc non, ne le donnez pas à manger s'il n'a pas fait le tour. Ça, c'est vraiment, si vous voulez qu'il apprenne, c'est la seule solution. Après, voilà, comme je vous dis, ne le forcez pas, c'est-à-dire ne le grondez pas. S'il ne le fait pas, il ne le fait pas, vous lui dites. Donc, en fait, j'ai eu un petit problème là, mon appareil photo avait plus de batterie, donc si ça a coupé au milieu d'où je parlais, voilà, c'est très normal. Mais en fait, je pense que vous avez compris, je pense que vous avez compris, donc je ne reviens pas de ce que j'avais dit avant. Donc ensuite, encouragez-le. Donc en fait, j'ai écrit sur mon cahier, c'est pour ça que je suis en train de lire.
Donc, encouragez-le. Donc, c'est-à-dire que si c'est comme avant, ne laissez pas tomber, faut l'encourager en même temps. Il ne faut pas le gronder dessus. Du coup, comme j'ai dit, ça rejoint un peu là ce que je disais avant en fait. Encouragez-le, voilà, ne lui grondez pas dessus. Voilà, ça veut dire ne laissez pas tomber, en même temps, encouragez-le. Voilà, je pense que tout est clair dedans. Parce que c'est très important de l'encourager. Voilà, ça l'incite à. Bah, ça prouve qu'en fait, ça vous fait plaisir s'il le fait. Donc, il va avoir cette conviction dans votre voix. Il va dire, ouais, bon, okay, si je le fais, ma maîtresse, elle va être contente de moi et tout. Et voilà, ça va être cette envie. Et après, voilà, donc encouragez-le. C'est vraiment super important de le faire. Et ensuite, donc, bah, félicitez-le tout simplement. Parce que voilà, comme il a réussi, bah, il est très très important de le féliciter. Parce que si vous dites rien, en fait, si vous le caressez pas, si vous dites pas des mots gentils, si vous dites pas c'est bien, ou si vous lui donnez rien à manger comme récompense, bah, en fait, dans sa tête, ça va chauffer tout simplement. Parce qu'il va se dire, quoi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un truc pas bien, qu'est-ce que j'ai fait? Et à ce moment-là, je peux vous jurer, mais je peux vous jurer que là. Que l'animal, que ce soit un cochon ou un chien ou n'importe quel animal, ne va plus jamais le faire. Il va le zapper. Il va zapper ce qu'il a fait parce qu'il va croire que c'est pas bien. Il va dire, bon, ma maîtresse n'était pas contente, donc ça veut dire que c'est pas ça. Voilà, tout simplement parce que il va, voilà, et comme vous lui a rien donné, il va croire que c'est pas bien. Je voilà, c'est très normal. Enfin, voilà, c'est normal. Je pense que voilà, il va zapper, il va oublier, après ça va être galère pour le refaire faire ce tour parce qu'il va pas comprendre, il va dire bah attends c'est bien ou c'est pas bien, je comprends pas là, un jour tu m'as donné à manger et d'un jour tu me donnes plus. Comment je lui ai appris le tour check? Voilà, donc là je vais vous expliquer en fait comment faire. Bon, moi Fripouille elle connaît le tour mais je vais vous faire comme si elle ne connaissait pas comment je lui ai appris en fait, comment j'ai fait, la démarche que j'ai fait pour lui apprendre. Donc, j'y vais. Donc, j'ai mis ma main comme ça. Donc, bon, elle va poser sa main. Donc, attendez, je vais vous montrer après. Mais en fait, il n'y a rien de plus simple. Bien, ma cocotte, c'est bien. En fait, il n'y a rien de plus simple. Vous mettez votre main d'abord et vous dites le mot si ça vous fait plaisir. Oui, ma cocotte. Et en fait, vous allez mettre la nourriture en haut de votre main et comme ça elle va se mettre en fait sur votre main et ben voilà quoi, elle va apprendre comme ça. Vous pouvez dire le mot et à chaque fois que après bah à chaque fois que vous allez mettre la main et ben elle va mettre votre papatte sur votre main parce qu'elle va savoir que c'est pour avoir à manger ou voilà pour vous faire plaisir. Donc elle va comprendre comme ça. Tiens mec. Donc voilà, bah, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ces sortes de vidéos vous plaît. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu en tout cas. Et si ça vous a pas plu, bah, dites-moi pourquoi en commentaire. Ou voilà. Et dites-moi aussi si ça a marché, le tour, s'il a marché. Parce que voilà, ça m'intéresse vraiment. C'est savoir le tour que je vous ai appris à marcher sur votre cauchemar. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur ma page Facebook, enfin sur notre page Facebook. Et donc voilà, bon bah voilà, donc je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.